Départ les gars, vas-y, vas-y, faire, vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passe quoi? Fichon, j'ai de la charcuterie serre. La petite saucisse grillée, comme tu vois, fraîche, de Toulouse. Il fait hyper beau et hyper chaud. Et du coup, on profite les gars. Donc, on t'amène avec nous pour une pêche du bord en soirée. Alors, silure, carpe, ce que tu veux, on va tester un peu tout. Mais surtout, petit barbecue des familles, la petite truc à boire, t'inquiète, on va se mettre bien. Alors, n'hésite pas, le petit pouce bleu et c'est parti, let's go. Alors, madame, t'es prête hein? Elle a sorti le petit short et tout, quoi. C'est à moi d'été là. Le short rose, là. Ah, ouais, on a tout le barda à prendre, les gars. Donc, j'ai plein de cannes. Même plein de cannes, non, en vrai on en a que 3. Hein. Mmh. Ensuite on a le manger pour après avec l'apéro, etc. On va prendre la bâche aussi. Un petit jeune là. Et on va se mettre à décaler à côté, on va pas trop l'embêter. Voilà, on va déjà se préparer, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, va. On vous montre le campement les gars. Madame prépare tout. Qu'est-ce qu'on fait? On met la bâche, genre en mode. Ça va pas s'envoler non? Ouais, on peut mettre la bâche, on va mettre la bâche. On va faire ça bien tu vois. Pour la vidéo là. Donc du coup on va pêcher là. Sur ce plan d'eau, les trois cannes là, puis on verra bien. Ah, la blonda, ça s'est pincé le huc la... avec l'hameçon quoi. Ça me sent dans les fesses quoi. Moi, bon, je vais monter cette canne là, de chez Action, tu vois, celle qui a 19 euros. Mais il faut que je remonte tout, tu vois, j'ai la petite boîte là, pêche, on sait plus ce qu'il y a marqué dessus. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Mon bouchon, il est où? Je vais mettre un bouchon pour avoir un repère, hein. C'est un bouchon qu'on a trouvé une fois de plus, de toute façon tous les bouchons on les a trouvés. Hein. Allez, la canne est montée, on va voir les vers que j'ai parce que les Canadiens là, on les a pris à la chaleur et tout. Ah ça va, ils font le taf. Ils ont l'air d'être bien en forme pour l'instant. Allez, on va mettre un seul ver canadien, on va essayer de l'épingler comme il faut. Tac. On va le mettre par là, c'est pas mal là. Bon du coup on change pas les habitudes. Tu veux pêcher silure les gars, sans que ça pue, les tripes de poulet, tu prends voilà, de la peau de poulet comme ça. Voilà, j'agrafe, tac. Tac. Et juste. Ah oh, si, quoi ça sentir un peu. On va peut-être aller tac. Voilà, j'agrafe comme ça, tu vois. Et même limite, ce que je pourrais faire, c'est pour mettre ça comme un drapeau si tu veux. Faire venir un peu là-haut là tu vois pour cacher vraiment l'hameçon. Voilà tu vois dans l'œil là voilà comme ça tu vois ça fait drapeau et là je vais y rajouter du foie de volaille hein, et c'est tout. Je vais en mettre un pas entier parce qu'il est énorme celui-là. Ouais, va falloir vraiment qu'on prenne un truc pour se laver les mains hein. Oh, berk. Ah mais j'ai du PQ. Ah ouais parce que là des dégâts les mains c'est voilà, je vais la graffer tant que bien que mal, mais surtout on va pas lancer comme un bourrin. Et voilà, c'est prêt. Là on a prospecté un peu le fond. Voilà. Deux, trois, quatre. Voilà, impeccable. Ouh là là, la lune. On a vu la lune. Avec les abonnés, on a vu la lune. Hein. Ouais, il paraît que c'est la pleine lune, mais. Tiens. Ouais, la pleine lune. L'éclipse. Hein. Ah là, là, on est bien là, tu vois. Bon, l'indispensable, faut bien sûr ne pas oublier la grosse pince longue pour le silure. Voilà. La pince, faut pas l'oublier. Ah, parce que moi, il m'a montré, mais lui, il vous a pas montré comme il est beau. Oh, regardez-moi ce bon est beau. Il est beau ce t-shirt. Hein. T'en veux voir? Ah ouais. On va faire un peu de bide, ça c'est l'hiver. Ouais. Ah t'inquiète, ça va le faire. Hein. Ouais. Là je suis beau là. Ah ouais, fais la pause. Hein. Abonne-toi. Ah ouais. Sexy. Non, franchement c'est stylé. T'es nul les gars. 8 balles. Il est trop beau. J'en ai pris au taquet pour les silures, tout ça. Enfin bref. Ah, un prix plein le truc. D'où le petit charta. Ouais. Allez. Bon, ben voilà, moi j'ai préparé alors du foie de volaille et de la peau de poulet que je laisse balancer, bien sûr. Voilà, c'est tout simple à mettre, hein, pas plus. Et j'ai pas de torchon. On va passer la canne comme ça. Voilà.
Impeccable. Tu l'as bien mis, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, je vous propose vraiment du PQ et c'est tout. C'est parti. On va prendre du PQ et s'essuyer les mains. Regardez le condor. Oui, mais il veut me bouffer mes appâts. Donc là, il tourne parce qu'il veut voir s'il n'y a pas un petit poisson à la surface de l'eau. Et s'il en voit, il va plonger. Là-bas, c'est des... il y en a une. C'est des buses. Ah bah, elle est partie là-bas, on n'aura pas à dire. Ah, quoi qu'elle revient, attendez les gars. Elle va attaquer dans 3, 2. Ah non, elle tourne en rond, elle voit, c'est quelque chose, il n'y a rien, elle se casse. Et ben voilà quoi. Bah, du coup, il revient le monsieur. Là, je crois qu'il a un petit problème, le monsieur d'en face. Hein. Il passait avec Zodiac et puis du coup il revient à rame, donc je pense ça. Hein. Voilà, moi c'est pour économiser l'essence. Hein. Si, et voilà, on est posé hier. Ah, ça fait bien. Ah, il est bon ce jus de pomme. Hein. Oui, il est très bon. Ce petit cidre. Alors, pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on pêche réellement, on est à. Comment ça s'appelle? Cucul. C'est, ah, oui, ouais. C'est à côté du village de Hanal. Donc voilà. Concours qu'on a mis en place avec, voilà, Fish and You, donc l'application que tu retrouves Android, tout ça, etc. Et ouais, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a pas mal de petits lots à gagner. C'est un concours national dans toute la France. Et on est les seuls à l'avoir fait. Je m'en avec pas mal de partenaires. Oula, mec, c'est le cidre. Il y a pas mal de lots avec pas mal de partenaires. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à venir. Comme j'ai dit, c'est le seul et unique concours. Pourquoi? Parce que c'est toute technique confondue, que ce soit du bord, en bateau, flotte tube, ouais, même au cassant, tu pêches comme tu veux, à partir de fin avril, notamment, voilà, forcément avec l'ouverture du carnassier. Et voilà, et les poissons seront comptabilisés, donc c'est sur 8 manches, donc chaque manche, il y aura un vainqueur, et ensuite on fera la totalité de toutes les manches, et puis il y aura un gagnant unique, gagnant global, quoi. De global de toutes, voilà, les manches. Mais en sachant qu'il y aura quand même un gagnant par manche, donc 8 manches, sinon 8 c'est manches. Sur 8 mois, oui. Donc il y a de quoi faire, et c'est pas limité par jour, etc. Juste que ben, le silure, il a une taille minimale qui est de 1 mètre. 1 mètre, voilà. Bon, on a décidé de changer de spot, ouais, on a fait 2 mètres. Hein. Le petit Jeanne est parti, on s'est dit on se mettra. Comme ça, on sera tranquille pour le petit barbecue. On attend le petit poteau qui arrive, Jérôme. Qui va à la chasse, perd sa place. On arrive à attendre notre pote Jérôme. Voilà, c'est notre photographe. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas si vous voulez des belles photos. Si vous cherchez un photographe, hein, tu vois, je place un petit peu sa publicité, il sera content. Hein. C'est le monsieur la saucisse, en fait. Allez, les gars. Il vient d'arriver, le petit poteau. Allez, allez. Eh ben, le photographe. Hein. Allez, on trinque. Hein. Jus de pomme. Ah oui, bah, oui. Du cidre. Hein. Jus de pomme. Dans les yeux. Obligé. Okay. Allez, à la vôtre. Ligne, toujours pas de poisson, les gars. Non. Par contre, si vous vous mariez au cours de l'année 2025, parce que 2024, je suis complet. Ah. En 2025, j'ai encore des places. Regardez, hein. Potes, barbecue. Tout neuf, hein, de chez Action. On est sponsorisé Action Eco Plus, moi. Là. On va le déballer en direct. Alors, tu prends le papier comme ça, tu le déballes. Ça va pas le rouler. En cul. Voilà, là, c'est pas beau. Bébé cul. Tac et tac, voilà, donc ah, petite, ouais, grille, le barbecue, je sais pas ce que t'aimes pas ce pote, ça fera le taf, c'est pour biwak ça, tu vois. Et après la grille on mettra comme ça. Tiens, on a acheté cette maison les gars, qu'est-ce que t'en penses, 500 000 euros. Bon, tu sais qu'on fume plus, du coup pour le même barbecue comment on va faire? Ouais, on va pas faire le mode de Cro-Magnon machin, non. Et on va respecter la bushcraft, tu vois, avec la pierre à feu, tu vois. On va essayer ça, normalement ça marche, normalement. Bon, le Pécus, ah si, ça y est. Ah, ça y est, on a fait le feu gratos, quoi. Sans gaz, ça riait, c'est pas beau la vie. Et voilà, ça y est, on a fait le feu, voilà. Bon, les gars, je sais pas ce que t'en penses, regarde, c'est le taf. Hein. Ah, mais comme ça, tu vois, on évite de faire barbecue par terre. Sur Facebook, je sais pas quoi. Tu sais, je parle à la GoPro, ça te dérange pas, tu sais, je travaille. Eh, mais j'ai rien à foutre. Ah, on évite de faire le feu par terre, tu vois, c'est très stylé. Enfin, on évite le feu faire par terre. En vrai, autant le renverser, il y en a autant à côté, quoi. Non, sans déconner, ça fait le taf. Allez, c'est bien. On met le charbon et on va manger le cidre grillé. Bon, les gars, petite saucisse grillée, comme tu vois, fraîche, de Toulouse. Bon, mais toujours pas de touche. On attend la soirée, mais bon. Pas encore de poisson, mais on va préparer le miam. Ah ouais. Donc, on est en train de mettre, on a mis la saucisse à cuire. Du coup, on va mettre le boudin de la charcuterie serre de chez nous et on va manger. Voilà, voilà. J'espère qu'il y aura un poisson quand même. Oh, ça suffit le poisson de ne pas venir. Hein. Allez, ça continue. Bon, saucisse en train de cuire. Comme tu vois, on se régale. On va se régaler en tout cas. Mais je vais tester un petit truc, les gars. Mode aventure, Bill Grills. Et du coup, on va faire un petit truc. J'ai une petite idée. C'est avant qu'il fasse nuit parce qu'on n'aura pas le temps de. On n'a pas le droit de pêcher en tout cas. C'est à la saucisse de Toulouse. Je vais pêcher à la saucisse, les gars. Donc je dis saucisse, pourquoi? Parce qu'une fois, on avait fait une vidéo avec mon pote qui est justement là. Et voilà, l'apéro était un petit peu chargé, comme tu vois. Et donc, du coup, on disait saucisse. Mais j'avais fait un départ avec la saucisse de Toulouse. Donc là, je vais tester vite fait.
parce que le goût fumé grillé ça attire toujours. On va voir ça de suite, hein. Donc je mets ça et on croise les doigts. Saucisse avec la peau de poulet. Je souffle parce que c'est un peu chaud, j'ai pas envie que ça brûle la silure. Et du coup on va lancer ça, pas trop loin, je sais pas ce que ça me pense, Terada. À l'arrache. Ouais. À la saucisse. Et si on fait un départ à la saucisse les gars, ça sera la première de l'année, je te le dis moi. On va buzz. Bon allez, on remet ça. Et voilà, à la saucisse. Ça va retenir la ligne parce que ça va pas ça. Allez, let's go les petits yeux. Eh oui. On a changé de spot, comme tu peux le voir. Ouais, comme tu peux le voir, tu vois, il fait jour. Ouais. Et on a changé de spot. Dans ta main comme parce qu'on voulait aller sur le spot où on avait fait tous les gros carassins, tu sais, on a vu le départ de Silure là, il y a pas sur la dernière vidéo. Et Mac de bol, ben, parce qu'on voulait faire la soirée, continuer à faire la soirée, tu vois. Et en fait, il y avait quelqu'un. Bah, il y avait quelqu'un et c'est qu'un seul spot. Qui arrive, hein, et comme on n'a pas beaucoup de spots, ben, on a trouvé celui-là. C'est ça, donc celui-là, on avait été déjà venu y pêcher. Et franchement, on était obligé de descendre le chemin pour savoir s'il y a quelqu'un. J'ai serré les fesses en me disant j'espère qu'il n'y a personne, finalement il n'y a personne, donc tu vois. Parce que chez nous il n'y a vraiment pas trop de bordures quoi, il faut se les créer finalement. Donc, voilà. Bon du coup on est là pour le deuxième soirée, parce que vous avez vu pour la première soirée ça n'a rien donné, vraiment très difficile. En fait le spot où on est, il faut savoir que c'est hyper envasé et je me demande si voilà les poissons partent pas ailleurs finalement, parce que justement c'est hyper envasé. Bah, du côté du lit de la rivière, là où il n'y a pas de vase, ouais. Ça bon, du coup pas. Ce spot là c'est pareil, c'est un peu envasé mais bon potentiellement on va croiser les doigts. Que c'est un peu plus propre, hein. Moi, normalement oui. Plus que l'autre soir, hein. Donc reparti, pot de poulet, reparti, foie de volaille, et une canne au vert de terre. Voilà. Et là on est sur un spot qui est magnifique, donc pour ceux qui veulent pêcher la carpe, là c'est royal ici, vraiment c'est royal. Ouais, c'est tranquille. Donc, tu verras sur la vidéo, on te remontrera si jamais. En tout cas, on est parti pour la deuxième soirée, let's go. Allez, c'est parti. Oh mon que c'est beau. Alors. Dis-moi si ça filme bien, parce que moi je sais pas, je vois rien, monsieur m'a pas dit. Donc moi je sais pas. Je l'ai mis sur la casquette à la GoPro, donc c'est la première fois que je le fais. Zézé. Encore. Kiff. Oui, la musique. Allez, première. Va danser. Allez. Voilà. Ramener un tout petit peu, voilà, et ça ira bien. Mais je sais pas si tu vois, ben si, sûrement. Du coup, foie de poulet, on en a racheté parce que les autres, ben c'est fini quoi. Et rade, tu vois, 1,25€, pas cher, hein. C'est comme par hasard 1,25€, tu vois, c'est moins cher que les verres canadiens. Donc, tu vois, il est tout neuf. On va prendre un morceau de foie pas trop gros. Ouais, parce que là c'est géant. C'est un peu géant quoi les morceaux. Celui-là là. Parce que le but là du foie, tu vois, c'est juste pour l'odorat, etc. Parce que j'ai pas trop envie d'en mettre en fait. Et surtout, j'avais déjà fait un gros de, je sais pas, à peu près 1,80 m. Et la peau était ultra fraîche, hein, tu vois. Je laisse pendouiller comme ça. On pourrait en mettre un deuxième. Hein. Allez, on prend un risque. Enfin, c'est pas un risque, hein, de toute façon, que si je prends un risque, non. On va mettre ça en place, hein. Alors je me méfie parce qu'ici il y avait un endroit où j'accrochais et je me rappelle plus trop où c'est, je sais que c'est sur la bordure de droite, hein. Malheureusement c'est l'endroit qui me plaît le plus, tu vois, ici là dans ce trou là, mais je sais que là j'avais accroché une fois, mais après on a eu la crue, alors je sais pas. Écoute, on va prendre un risque, hein. On va prendre un risque, j'aurais pu tester avant, j'avoue, sans le plomb. Je vais. Parce que j'ai pas envie d'envoyer trop loin, ça sert à rien d'envoyer trop loin. Tu vois, les silures, ils ont des fois sur les bordures. Hein, surtout sur les bordures. Ouais, tu vois, je vais laisser pas trop loin par là, c'est largement suffisant. On va mettre ça sur le détecteur de touche, on va l'allumer d'ailleurs. Qui fait toujours le taf, hein. Voilà. Voilà. Allez, première qui est placée. Ça sert à rien trop de tendre de toute façon. Donc on va quand même tendre un petit peu quand même. Voilà. Impeccable. Bon, la première est placée, la deuxième ouvert de terre, je sais pas trop, je vais la mettre en vrai, parce que c'est vrai que le spot ici est un peu difficult. Peut-être devant, je sais pas, je vais voir. Bon, les cannes sont placées. Voilà. Plus qu'à espérer maintenant. Bon, après on est quand même dans l'après-midi. C'est vrai que les soirées c'est court à pêcher, tu vois, mais ça peut être tout ou rien.
Et la première session qu'on a fait, ça ne doit rien donner. On pourrait même l'appeler limite 24 heures ou 48 heures à la recherche du sucre, parce que là. En tout cas, je vais te montrer un truc, poteau. Regarde. Tu le vois, le rospunchus, quoi, que tu le vois que papa va se le manger ce soir, parce que là, il n'y a personne qui l'a ramassé. Oui, on va manger. Et il y a des gros partout, en plus, c'est la fin. Allez, rospunchus, si tu sais pas ce que c'est, va voir les dernières vidéos. Là, je sais plus laquelle c'était, on en a mangé. Et fraîchement, regarde, je te montre le petit. Tu vois, c'est ça. Asperges sauvages, il y en a qui appellent, bref. Et même cru. Oui, je le mange. C'est trop bon. Je peux pas manger beaucoup cru, mais. C'est bon, cru. Cru, moi, j'aime bien, tu vois. Ouais. La nature est généreuse, mon pote. Qu'est-ce que je te dise ? Respecte-la. C'est un petit. Laisse faire. Départ, les gars. Vas-y, faire. Vas-y. Ah, merde. Bon. Je sais pas si je l'ai. C'était à la faute, au faute poulet, machin. Ah oui. Ah, je l'ai pas. C'est gelé. Ah putain. Un petit, je pense. Ah oh, bordel. Non, elle a tanké. Aïe. Elle a tanké parce qu'en fait, elle a ferré, elle a lâché. Elle a trop attendu. Je pense que si dur, c'était un petit, il a été tanké, quoi. Ah putain. En tout cas, départ. Bon. Bon signe. Et voilà. Touche ratée. Enfin, je l'avais, mais. Trop attendu et j'ai raté. Il s'est coincé au fond de l'eau dans une branche, malheureusement. Du coup, on a remonté parce que l'hameçon qui était parti et j'ai lancé plus loin, plus fort à gauche pour éviter les branches. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est quand même un départ, hein. C'est mieux que hier et voilà, on continue, c'est pas grave. Moi, je suis confiante cette fois-ci. J'espère faire du poisson. T'as bipé sur la canne journal, les gars. Ah ouais. À moins que ce soit une merdouille, hein. Ah, je pense pas quand même. Non, je pense pas. Il est où ? Il part comme ça, mais il coule quand même. Ah bah ouais, c'est bizarre. Ah mais c'est vachement détendu peut-être, non ? Ouais. Ah ça a bipé, hein. T'as même pas entendu le bip. Super. Non mais je vois le truc. Ah oh, mon fil ! Ah non merde, j'ai flippé moi. C'est le morceau de bois qui s'est détaché, ça va. Ça a fait partir mon. Ça a bougé mon fil quoi. Ouais, tiens, elle a bipé, mais. Je vais avoir un départ, un truc de malade. En fait, il tâtonne là. Il prend, mais sans prendre. Ça, c'est les petits qui font ça. Il essaie d'arracher. Après, c'est vrai qu'il y a la peau de poulet et tout, mais. Ah, le fil se détend. Ouais. Il a lâché. Oh, c'est détendu de ouf là. Allez, prends-le. Soit c'est. Bon, là, c'est des tout petits sûrs, ça pourrait arriver. Ouais. Ils sont sur la gauche, les sûrs, c'est pas possible quoi. Elle a même pas entendu biper. On va y arriver comme ça, t'es. C'est vrai, je suis pas toute seule. Mais j'ai l'impression que ouais, ça a détendu ou je sais pas. Bizarre. Oh les gars, touche au foie. Oh, je l'ai raté. Mais qu'est-ce que c'est? Au foie de volaille, les gars. Je l'ai raté. Ah, j'ai accroché. Ah. Oh, le bordel, toi. Au foie, t'as vu au foie? Et c'est quoi qui fait ça? C'est les anguilles, peut-être. Hein. Ah, quoi que ça tirait bien, là. Oh, la touche ratée, les gars. Vite, on remet du foie. Ah, truc de fou. J'ai dit, je vais tester au foie de volaille. Voilà, la clochette, c'est pas foufou de mettre ça. On l'a entendu. Et j'ai mis un morceau de foie de volaille. J'ai l'impression que c'est vachement plus actif que la peau de poulet. C'est chelou. Mais qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à ferrer. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai pas de mucus, j'ai rien. J'aime. Pour moi, c'est des silures, hein. Je vois pas ça autrement. Je vais mettre juste un petit bout, tant pis. Hein. Bon, comme ça. Ouais, on va voir. Hein. Parce qu'il était pas très gros le bout que j'avais mis. Peut-être relever le mien, non? Je vais mettre un tout petit bout parce que ça, je me demande si c'est pas des anguilles. Après, là, ça tirait vachement quand même. Hein. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être, quoi? Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait manger du foie de volaille, hormis silure et peut-être anguille potentiellement, quoi, tu vois. Ben, je sais pas, dis-moi dans les commentaires si tu sais ce que c'est, parce que je pense que c'est silure, mais là, c'est vraiment, j'ai attendu le dernier moment, tu vois, que ça tire pour ferrer, rien non plus, c'est bizarre. Est-ce que les anguilles seraient attirées par le foie? Potentiellement, je dirais que oui, tu vois. Mais là, ça tirait vachement, c'était vachement lourd, tu vois, pour être une anguille, donc je sais pas, franchement, mais en tout cas, j'ai ferré dans le vent. Soit elles sont très malins, soit c'est des tout petits silures.
Mais là, c'était full foie, t'as vu. Alors, j'ai mis un tout petit bout pour voir, on va voir là, la différence. Clochette, je voyais que ça partait. Bon, ça sera pas pour pêcher le gros silure mastodonte, tu vois, avec la petite canne de chez Action, là, tu vois. Je veux savoir ce qui tape au foie et qui se pique pas, en fait. Parce que l'autre que j'ai sur la droite pour pêcher le silure, celle-là, elle est à la peau de poulet, tu vois. Et pour l'instant, on n'a pas de départ. Mais dès que tu mets du foie, dès que machin, c'est, je comprends pas, ça fait départ. Mais on n'arrive pas à valider, quoi. Je ne comprends pas, frère. Je sais pas ce qui se passe sur ces spots-là. Il n'y a rien aujourd'hui, voilà. Bref, allez, on continue. Oh, les gars, ça m'a mis une tirée, là. Au foie encore. Et là, j'ai mis un tout petit morceau pour le coup. Qu'est-ce que c'est, quoi? Oh, la tirée, tu l'as vu? J'ai même pas pu fumer en direct, hein, tellement que c'est surprenant. On a vu le bouchon bouger, mais... Oh, la tirée que ça m'a mis, quoi. C'est quoi encore ça, là? Qu'est-ce que c'est? Il m'a pas... Ah, ça retire, les gars. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est tirée à la con, là? C'est pas du silure, ça, c'est pas possible. Pourtant, je pêche au foie, quoi. C'est quoi ces touches là? Il y a un tout petit hameçon et tout, se pique même pas ni rien le poisson, qu'est-ce que c'est que... Non, alors là... T'es regardé, ça repart, regardez, ouais, vous avez vu en direct? C'est quoi ces touches? On dirait des touches d'anguille, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est là? Il faut arrêter les gars là. C'est quoi qui arrive là-bas blanc? Cadavre? Je me prépare, je te fais un ferrage du cousinage. T'es regardé, tu vois? Mais je le rate encore, mais c'est pas possible, mais c'est quoi? Je l'ai encore raté les gars, ça partait, vous l'avez vu. Et j'ai encore plus rien. Non mais c'est qu'est-ce qui se passe là? Ça pompait, ça partait quoi. Ça c'est des anguilles, moi je suis prêt à parier les gars. Le problème c'est que j'ai l'hameçon qui est trop gros, et voilà pourquoi. Il faudrait des hameçons plus fins, plus petits. Parce que l'hameçon, il est pas adapté pour pêcher l'anguille. Pour moi, c'est ça. Parce que là, j'ai mis vraiment un tout petit morceau de foie. Je suis sûr 100% que c'est des anguilles qui nous fait ça. Ah, il faut que j'en valide une. Il n'y a pas aux photos, là. Il n'y a pas à chier dans les orties, là. Je sais pas comment on dit, là. Là, en plus, tac, tac, ça partait. J'ai dit, là, je vais faire. Parce que ça pompait. J'ai dit, là, c'est bon, je l'ai dans le vide. Hein. Pour moi, c'est une anguille. Pour moi, c'est des anguilles, 100%. Parce que ça partait en pompage, je vais faire dans le vide, c'est... Non, c'est pas possible. Ça repart. Regardez. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Fish on, j'ai... Alors, on va voir ce que c'est. Ah, non, non, j'ai fait du caca. Ouais, je l'ai encore. Alors, qu'est-ce que c'est? On va le voir en direct, live. Hein. Ça y est, enfin. Qu'est-ce qui me faisait caca depuis tout à l'heure, hein? Qu'est-ce qui m'embêtait, là? Eh ben c'était un petit silure les gars. On l'a en direct. Bon du coup c'était lui quoi. Regarde là. Regarde le baby. Regarde le ventre qu'il a gonflé. Il m'a chapé tout le foie. C'était lui les gars. On a compris. Regardez-moi ça. Non mais ce truc quoi. Bon on le mange? Non. Ouais je rigole. Allez va. T'es un vilain quand même. Hein. Et repart va. C'est ça. Ouais. Tu une partie dessous là-bas. Ouais, ça va voir ta mère. Après, est-ce que c'était lui? Cochon, là. On va voir. Sûrement, allez, on va remettre un petit morceau de foie tout net. Bon. Allez, je l'ai validé celui-là. Il n'y a pas moyen. Non, mais attends. Je sais pas ce que tu as passé à ton écran. Ça y est, on l'a validé. Est-ce que c'est lui qui m'a embêté depuis tout à l'heure? Je sais pas du tout. Peut-être. Hein. Mais cette fois-ci, je l'ai ferré. J'ai même pas attendu qu'il parte ou quoi que ce soit la clochette. J'ai tac-tac, bim, boum, j'ai ferré. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fini. Hein. Deux soirs d'affilée où on fait le coup du soir. Ouais, session terminée. Et c'est pas très facile. Très difficile de faire deux soirées. Bon, attendant, on vous a partagé un petit peu l'aventure Road to Fish. C'était le but aussi, voilà, de vous divertir et de partager un bon moment avec vous, les potes. Ah, bah oui, c'est le but. Voilà, donc du coup, là, il est 8h30, donc c'est l'heure légale. On pourrait pêcher jusqu'à 9h, mais là, ouais. Vraiment, il n'y a plus rien. T'as vu, j'ai fait le méga giga pint. Allez, pour le petit pouce, pour le petit pint, on va y mettre un petit pouce bleu. Le pouce bleu, mais voilà. En tout cas, on a trouvé le coupable, parce qu'il voilà. Se passe plus rien, en fait, depuis clair. Qu'on a rejeté au foie, donc on sait très bien que c'est lui. Voilà, il m'a embêté pendant longtemps, mais j'ai réussi
à le valider. Bon, après, voilà, ça reste difficile. On reste encore en début printemps, tu vois. Les poissons sont pas très actifs. Il y a des hauts, des bas. C'est assez bizarre. Ouais. Mais bon, voilà, on continuera. De toute façon. Les gens avec des jours sans, hein, c'est comme c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, nous, on s'amuse, vous aussi, sûrement. On espère que tu as kiffé derrière ton écran. Si tu as kiffé, tu nous mets un espace commentaire. Tu mets hashtag j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé, etc. Putain, à un moment donné, j'ai cru en faire un. Mais qui sait qu'en fait un, bien sûr, c'est monsieur, c'est Bibi. En plus, je me suis ramassé quelques petits repos. Une chose, mon gars, je vais me mettre bien ce soir, la petite truc. Sortez pêcher, prenez soin de la nature, de vos poissons, prenez vous pas la tête, ne te prends pas la tête, ouais, tout voilà. Simplement. Exactement. La vie, on a une vie courte, alors tu sors pêcher et tu te tais. Voilà. Et puis, il y aura pas mal de vidéos qui vont s'enclencher. Ça y est, le printemps arrive, l'été va arriver. Ah ouais, il y aura flotte tube surtout. Flotte tube, il y aura pêche de la carpe, il y aura pas mal de pêche. De toute façon, nous, on est là pour faire toute pêche et sans se prendre la tête. D'ailleurs, j'ai quelques petites techniques à vous montrer qui sont un petit peu anciennes. Et il y a que de quoi je vais apprendre aussi en même temps que vous, parce qu'il y a des choses que ben, lui, il connaît. Ben, ouais, mais bon, c'est surtout, pêche depuis petit, surtout à but ludique et de vous, voilà, de vous faire kiffer. C'est tout mais le but de Rotoufiche. En tout cas, gros, gros, vraiment énorme merci à vous toutes. Vous êtes de plus en plus sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à commenter les vidéos et ça nous fait trop plaisir. C'est plutôt à nous à vous mettre le plus gros pouce bleu, voilà, pouce bleu sur vous, vous tous les potes. On fait de gros, gros, gros bisous à vous tous. Merci de nous suivre vraiment du fond du cœur de plus en plus. C'est une chaîne qui nous fait extrêmement kiffer. On est là pour vous faire kiffer, voilà, nos aventures, nos rigolades, etc. Les bêtises de Jojo, c'est parce ça. Qu'il y en aura encore. Voilà. En attendant, on vous souhaite bon appétit, bonne journée, soirée, bonjour si tu te lèves. Bonjour. Et on te dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et sois sage. Il faut être sage surtout. Tu ne feras pas de poisson. Allez, ciao. Voilà. On part d'ici, c'est dans la mer. Non, je rigole.